Welcome to this edition of African Perspective. This is Cherokee Bet. Currently, we are looking at a situation that is huge and monumental, I think, in the history of Sub-Saharan Africa and its political scope. These are the events that are currently taking place in Burkina Faso, in West Africa. Now, before I go into the details about what happened, there's one name that is usually linked to this country, and everyone seems to know about this individual. And if you don't know, you probably should know. This name is Thomas Sankara, who is largely considered as Africa's version of Che Guevara. He's a hero to many, a hero to me personally, because of his radical and revolutionary. Donc la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ideals about developing Africa, making Africa one of the most fervent individuals who really supported pan-Africanism, self-sufficiency, and less dependency on Western powers or any powers of any kind that could infringe on Africa's development. So Thomas Sankara was the former president of Burkina Faso. He was the president while the vice president was Blaise Compaoré. And 27 years ago, he mysteriously disappeared and was killed. And subsequently, the vice president, Blaise Compaoré, took over power. And since then, since 27 years ago, Blaise Compaoré has been in power until this week, where he tried to, earlier in the month, to change one of the provisions of the constitution in Burkina Faso, because he wanted to extend his mandate beyond the deadline of November 2015. This caused a large scale and a fluctuation of violence in Burkina Faso. And today I invited two guests to elaborate on some of the issues that have been raised and have been seen in this revolution, which are reminiscent of the revolution we saw in North Africa with the Arab Spring. Some of the questions that could also come up is this the end of dictatorship in Africa? Will other African presidents such as Mugabe, Museveni probably follow suit in this development? So it's going to be interesting to watch what happens in the coming weeks, especially the transition for Burkina Faso. But it's quite a huge development for the Sub-Saharan African continent. So let's tune in to what some of our guests had to say. Je suis étudiant. Je pense que c'est une situation à la fois délicate et réjouissante. Elle est délicate à cause que les éléments s'enchaînent avec une vitesse presque explosive et on peine à maîtriser la situation comme à pouvoir émettre quelques projections. Mais à côté, elle est également réjouissante parce qu'elle montre quand même que les populations africaines sont aujourd'hui dans une dynamique autre dans laquelle elles se trouvent être, comme elles ont toujours été d'ailleurs, maîtres de leur propre destin et que justement, elles viennent de faire une nouvelle démonstration de la capacité de l'Afrique, mais également de son désir à pouvoir vivre dignement. Bonjour, je m'appelle Abby Ouedraogo et je suis en première année du programme Europe-Afrique à Sciences Po. Aujourd'hui, je vais vous parler de la situation actuelle au Burkina Faso. Le Burkina Faso traverse une période critique ces temps-ci, avec le poste vacant que Blaise Compaoré a laissé à l'issue du référendum de ce mois dernier. Blaise Compaoré, c'est certes là un homme, une personnalité, un personnage, peut-être de toute la sous-région, qui a été écarté. Car quoi que l'on puisse reprocher à Blaise Compaoré, on a vu ces dernières années ses efforts de faire avancer les différentes crises qui existent dans la sous-région. Et
Personnellement, je pense que le différend qui reposait à son pays dans cette situation-ci était d'ordre constitutionnel. Et en ce sens, j'encourageais son peuple. Et vu que ce différend est résolu, je pense que de façon personnelle ou de façon nationale, Blaise Compaoré n'a plus rien à craindre. Mais il se trouve que son nom est également cité dans quelques affaires de justice. Et dans cette situation-là, en tant que citoyen, en tant que citoyen d'Afrique, je n'ai pas mon mot à dire. Je crois que la justice nationale ou internationale, si elle a besoin ou si elles ont besoin de Blaise Compaoré, sauront où le trouver et sauront lui poser les questions qui doivent lui être posées. Concernant les questions aujourd'hui que Trevor m'a données, je vais vous parler de les sources de revendication. Dans les sources de revendication du peuple burkinabé, je pense qu'elles ne se limitent pas à la révision constitutionnelle, en ce sens que depuis le départ, le Burkina Faso a été dirigé la plupart du temps par des militaires. Et il faut qu'on le dise, après Thomas Sankara, Blaise Compaoré, le peuple burkinabé désire avoir un civil au sein du pouvoir. Et ajouté à cela, on peut parler de l'affaire de Thomas Sankara et de Norbert Zongo, et tout récemment de l'affaire Nébier, qui avec en fait toutes ces injustices-là ont révolté et ont ajouté beaucoup plus de ferveur au sein de la nation. Pour commencer avec l'espoir de Thomas Sankara, est-ce qu'il existe toujours? Je pense que oui, il existe vraiment parce que Thomas Sankara est un militant, un activiste qui a inspiré plein de personnes, que ce soit au niveau national qu'au niveau international. Il a été constaté que après ce que l'on a vu avec la révolution dite printemps arabe, après ce qu'on a vu avec le mouvement du 23 juin au Sénégal, on voit également ce mouvement au Burkina, auquel d'ailleurs on n'a pas encore donné de nom spécifique. Mais pour le moment, gardons-nous tout simplement de croire que c'est un mouvement qui sera transposable ou qui sera dupliqué. Ça aura forcément des répercussions dans les autres pays africains qui sont confrontés aux mêmes situations. Et je dirais presque, tant mieux. Tant mieux parce que je pense qu'aujourd'hui, la population africaine mérite de dépasser ces questions d'ordre institutionnel. On en a trop souffert et il est temps qu'aujourd'hui, que nos populations jouissent d'institutions fiables, d'institutions solides qui puissent en retour nous permettre de nous concentrer sur d'autres objectifs, d'autres défis qui nous attendent. Je pense notamment là au statut de nos populations, à notre place sur la scène internationale, mais également aux droits civiques et sociaux. Et d'ailleurs, je suis un peu déconcerté en voyant qu'à côté de tout cela, nos États demeurent encore incapables vis-à-vis de situations telles que la fièvre hémorragique que nous vivons aujourd'hui et qui a fait environ plus de 5000 victimes. Donc je pense que oui, cela peut bien être une amorce pour la fin de ces questions d'ordre institutionnel qui, je pense, n'ont que trop duré. Je n'ai aucun doute là-dessus. La population africaine, l'Afrique, va s'en sortir car l'Afrique a les moyens humains, spirituels, intellectuels ou de tout autre ordre pour pouvoir réussir ce pari. Et à la population africaine aussi, il faut que l'on garde cette foi-là en l'Afrique car comme nous l'avons vu, ces événements récents au Burkina Faso nous ont montré que 25 ans, 27 ans ou 30 ans à l'échelle de l'histoire ne représentent rien. Donc l'Afrique a sa place dans l'histoire et l'histoire fait maintenant.